السلام عليكم الزول فلاون بونجور. Dans notre émission d'hier sur la cherté des tarifs d'Air Algérie et d'Aigle Azur, un invité, M. Tahar Ahdad de Saint-Étienne, avait indiqué que l'actuel chef d'escale de Lyon-Saint-Exupéry était en poste depuis cette année. Une personne bien intentionnée nous a signalé que cette information était erronée et que l'intéressé, M. Madani, n'est à son poste que depuis 2 années environ. Nous avons vérifié l'information et elle s'est avérée vraie. Notre invité a donc donné une fausse information. Nous nous en excusons donc auprès de M. le chef d'escale pour avoir diffusé cette fausse information. Venons-en à notre sujet d'aujourd'hui. Après la victoire de l'équipe algérienne sur celle de Russie, Sofiane Frouli, un joueur, a fait cette déclaration. Je cite « Je suis très fier et cette qualification c'est pour tous les Algériens du monde, tous les Arabes et tous les musulmans. » Fin de citation. Cela a tout aussitôt soulevé un tollé en Afrique. Les pays africains se sont sentis floués, voire trahis. Une équipe qu'ils supportaient de tout cœur, dont ils pensaient qu'elle représentait tout le continent, et dont un joueur avait balayé du revers de la main les centaines de millions de supporters africains. Or, ce ne fut pas le cas. Les journaux qui ont rapporté cette déclaration l'avaient amputé de la suite, où il avait dit « Oui, la joie d'aujourd'hui est celle de l'Afrique et des Arabes ». Mais de la même manière que le régime a fait de ses victoires son fonds de commerce, pour faire oublier ses turpitudes, ses scandales à répétition, ses fuites en avant et la déchéance dans laquelle il enfonce tout le pays, d'autres milieux, ceux de la haine et de l'exclusion ethnique, en ont profité pour inséminer le venin de la division dans les réseaux sociaux. Des représentants autoproclamés du peuple algérien sont donc montés au créneau pour affirmer du haut de leur certitude que nous n'avons rien à voir avec les Arabes, ni même avec les musulmans. À l'instar de cette dame, qui se présente comme personnalité politique sur sa page Facebook, qui affirme, je la cite, c'est elle qui parle, hein, ce n'est pas moi. Nous sommes de culture musulmane, mais de là à dire que nous serions tous, elle met tous en majuscule, en lettres majuscules, mais de là à dire que nous serions tous musulmans, serait un gros mensonge. Fin de citation. Et comprenne qui pourra. En tous les cas, c'est curieux comme certaines victoires peuvent devenir de sombres boutiques pour des gens sans foi ni loi. Autant le régime est-il en train de se servir et hantément des résultats de l'équipe Algérie, autant d'autres milieux dont les racines vont très loin dans le terreau fertile de la haine s'en servent-ils pour nous dresser les uns contre les autres. Enfin, aujourd'hui, DZ Foot. Farouli, une qualification pour les Arabes et tous les musulmans. Rumeur d'Abidjan. L'Algérie et les Fennec déclarent qu'ils ne représentent pas l'Afrique, mais tous les Arabes. Africa Top Sport. Africa Top Sport. L'Algérie représente-t-elle réellement l'Afrique au mondial? Avec nous pour en parler, Faisal Mattaoui, journaliste, Djamil Ziri, documentaliste, Ghassri Gilani, cadre supérieur à la retraite. Faisal, bonjour. Faisal Mattaoui, bonjour. Bonjour Jamel. Salam alaikum. Bonjour Jamel. Faisal, tu vas bien? Salam. Alors, ça vous étonne, ça vous choque, et ces utilisations pernicieuses de l'exploit de notre équipe nationale? Absolument, moi je trouve que ce débat est complètement, excusez-moi l'expression, Jamel et tous les téléspectateurs, complètement ridicule. C'est vraiment un non-débat. Et je m'excuse auprès aux frères africains, j'en suis moi-même africain. Je crois que, comment on peut juger, j'ai lu un peu les écrits par rapport à l'Algérie qui ne représente pas l'Afrique. Non, l'Algérie représente l'Afrique, l'Algérie se retrouve en Afrique, sa géographie est en Afrique, elle a été
qualifié la phase finale de la Coupe du Monde pour la quatrième fois toujours au nom de l'Afrique, ça n'empêche pas que l'Algérie représente aussi des pays arabes qui parlent la langue arabe. Et l'Algérie, c'est le seul pays qui se retrouve dans cette région au Mondial du Brésil, et elle représente également les musulmans qui sont très nombreux, et ils sont aussi nombreux en Asie qu'en Afrique, comme les Arabes sont aussi nombreux en Asie comme en Afrique. Je crois que le débat est un débat d'une manière, c'est un peu, certains se sont spécialisés dans l'art d'abattre la joie, ce qu'on appelle des rabat-joie. C'est-à-dire, à chaque fois que l'Algérie réalise quelque chose, quand même, c'est une réalisation historique, c'est une équipe qui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les critiques faites par rapport au comportement de l'entraîneur franco-bosniak Halilhodžić et par rapport à la gestion de la FAF, il y a quand même des réalisations. Et parfois, il faut savoir célébrer quelque chose. Mais nous, certains, je veux dire, ont l'art d'inventer des fausses polémiques, ont l'art de réactualiser des polémiques qui sont complètement dépassées, de faire tourner le couteau dans la plaie, d'inventer des trucs, des choses ethniques qui n'existent plus, de raviver les terreaux du racisme, de la haine. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable cette attitude de partir sur des terrains qui ne sont pas, où il n'y a pas lieu d'être. Il s'agit d'une équipe de football, d'abord de football, ensuite de football, qui représente une nation, qui se retrouve dans un continent, qui a des appartenances culturelles et religieuses, et qui se retrouve donc au Brésil. C'est tout. Pourquoi on va dire que l'Algérie ne représente pas l'Afrique? Les frères africains, je crois que les problèmes en Afrique ne sont pas ceux-là. Les problèmes en Afrique sont d'autres. Et d'ailleurs, quelqu'un a remarqué que les équipes africaines, les autres équipes qui sont présentes, comme le Ghana, qui étaient présentes au premier tour, comme le Ghana et le Cameroun et la Côte d'Ivoire, n'ont pas été éliminées sportivement, mais elles ont été éliminées parce que les équipes étaient mal gérées. Je crois que le problème de l'Afrique est d'abord la mauvaise gouvernance. Ouais. Restez avec nous, Faisal. Jamil Dzeri. Jamil Dzeri, bonjour. Salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous avoir rejoints. Alors, Jamil, que pensez-vous de cette... Ça veut dire gagnant, perdant, quel que soit X, il y a toujours des esprits chagrins, j'allais dire, qui sont là pour récupérer soit la colère, soit la joie, pour exclure des gens, pour s'imposer en représentant autoproclamé du peuple algérien. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces histoires? Ce sont des gens qui se sont spécialisés pour gâcher la joie, la fête. Ici en France, par exemple, là où j'habite, ils ont arrêté 11 enfants, bon, enfants adolescents. Sur les 11 enfants, il y avait 2 Algériens, il y avait, je crois, 3 Antillais, un Malien, un Sénégalais qui faisait et on a attribué tout cela aux supporters algériens ou issus de l'immigration en France. Oui. C'est vraiment lamentable. Ce qui vient de dire votre invité, c'est que bon, il y a une représentation géographique, car l'Algérie, à ma connaissance, elle se trouve en Afrique. Elle est élue aux phases finales sous l'auspice de la CAF, ça veut dire qu'elle représente la Fédération africaine de football, la Confédération africaine de football, et elle représente l'Afrique. Les gens qui se sont aventurés dans des diatribes dire que non, elle représente l'arabe, le monde arabe, elle représente le monde musulman. Je rappelle juste la devise de Jugurtha qui disait l'Afrique aux Africains. Déjà à l'époque, Jugurtha lui-même, un Mazir, se réclamait comme un Africain. L'Algérie, on peut représenter géographiquement une région, mais on peut avoir des sentiments. Par exemple, il y a des gens qui ont préféré que tel pays qui se qualifie, malgré qu'ils ne sont pas du même continent. Et on a tout mélangé. On a mélangé l'appartenance, ce qu'on appelle le cadre légal de représentativité, c'est-à-dire l'Afrique pour l'Algérie, oui, avec le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et on a extrapolé sur d'autres mondes qu'on appelait le monde arabe, et aussi le monde musulman. On peut avoir, moi j'ai vu de liesse de joie et de bonheur, par exemple à Gaza, c'est bien, on a vu en Tunisie, comme on a vu ici en France, mais il y a le sentiment, mais il y a aussi le cadre de représentativité légale
légal. Oui, mais Djamil, Djamil, moi personnellement, hein, je parle en mon nom personnel, moi. Moi, je trouve que c'est un plus de dire, de voir des Palestiniens se sentir représentés, de voir des Irakiens se sentir représentés, de voir des Africains se sentir représentés. Moi, je suis fier que cette équipe représente tant d'identités. Amazigh d'abord, arabe aussi, africain, maghrébin, c'est formidable. Moi, c'est pas réducteur, au contraire, c'est extraordinaire de pouvoir représenter autant de gens. Oui, c'est vrai, mais ça reste ce qu'on appelle un sentiment. C'est un sentiment d'être fier que tel pays a gagné parce qu'on a des affinités, on a une histoire commune. Mais géographiquement, l'Algérie se trouve en Afrique. Oui, mais on ne parle pas. Dans le mondial, elle est dans le mondial sur le quota des pays africains. Oui, oui, on ne parle pas de ce côté légal et on ne parle pas de ce côté représentatif officiel. On parle de ces esprits chagrins, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se mettent à vouloir exclure les uns et les autres ou à s'auto-exclure les uns excluant les autres, alors qu'on devrait se réjouir d'être revendiqué par autant de gens. Faisal Mottabi, qu'est-ce que vous en pensez ? Faisal ? Faisal Mottabi est avec nous ? Je crois qu'on l'a perdu. Mais sinon, Djamil, pourquoi au contraire, moi, ça me fait énormément plaisir que le fait que tout le monde se sent représenté par nous, s'affilie à notre équipe, la revendique comme étant représentant ses aspirations, ses rêves, explosant de joie à ses victoires. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, mais il ne faut pas exclure, c'est-à-dire la personne qui a prononcé la dédicace de la victoire, de la qualification uniquement à telle ou à telle catégorie, fût-elle confessionnelle ou ethnique, c'est pas bon. Le sport, c'est universel, et donc toutes les personnes qui se sont représentées dans le cas de l'Algérie, il ne faut pas les exclure. Il y a beaucoup d'Africains qui ont été touchés. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui ont été touchés. Parce que bon, c'est une victoire magnifique. Le match contre la Russie n'avait pas que les supporters algériens dans le stade. Il y avait beaucoup de Latinos. Il y avait beaucoup de et des gens se sont retrouvés. Ils avaient une perception positive. Et normalement, dans la joie et de bonne humeur, on devait dédicacer à tout le monde, à tous ceux qui se retrouvent dans cette représentation. On est d'accord. Restez avec nous, Djamil. Faisal Mottabi. Faisal. Oui, je suis là, Djamil. Voilà. Alors, on me reprochera peut-être d'utiliser à mon tour le sport pour faire de la politique, mais puisque le régime est opportuniste au point de vouloir récupérer, tirer la couverture à lui, faire sienne cette victoire qui en fait n'est pas la sienne, sauf celle relativement de l'argent du peuple algérien qu'il a investi dedans. Sinon, il n'a pas d'autre mérite, puisqu'il n'a même pas formé 70% des gens qui représentent cette équipe, nos compatriotes de la diaspora. Que pensez-vous de l'utilisation outrancière justement de ce régime de cette victoire qu'il veut absolument utiliser? Oui, mais c'est déjà par le passé, c'était la même chose. Hein. Le président Bouteflika, depuis son arrivée au pouvoir en 1999, a reçu par exemple Zinedine Zidane, qui est un joueur français, qui n'est pas du tout un joueur algérien, mais il a été reçu par le tapis rouge. C'est une manière aussi de faire de la politique, parce que le sport, ce n'est pas uniquement le sport, hein, et c'est pas valable pour l'Algérie, c'est valable également pour d'autres pays, notamment les pays où il y a un manque de liberté, où il y a un manque de représentation, y compris au Brésil, où vous avez remarqué que la Coupe du Monde a été accompagnée de contestations sociales.
qui se poursuivent d'ailleurs pour s'interroger aussi sur l'argent, parce que le football c'est aussi beaucoup d'argent, c'est également beaucoup de corruption. Il est tout de même curieux qu'un joueur qui ment à un autre joueur comme le joueur uruguayen Suarez devienne une polémique internationale alors que la corruption au sein de la FIFA ne l'est pas. Donc disons qu'en Algérie effectivement le football est utilisé pour renforcer une légitimité ou chercher une certaine popularité. Le président envoie des messages, s'intéresse très près à ce qui se passe au sein de l'équipe algérienne, mais il ne s'intéresse pas à ce qui se passe au sein de la fédération, au sein de la gestion du football et même de la gestion des autres sports. Parce qu'en Algérie, on l'a fait, on sort d'assassiner, entre guillemets, tous les autres sports, notamment les sports collectifs, notamment les sports individuels, les sports qui rapportent beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques et dans toutes les compétitions internationales pour nous intéresser au football, parce que le football, c'est du populisme, c'est irrationnel, c'est une manière de dire. Il y a des coupures, on ne vous entend plus très bien, Faisal. Vous m'écoutez? Oui, là, on vous entend, oui. On a été coupé. Je disais que le football, effectivement, c'est un moyen de renforcer une certaine légitimité, parce que la légitimité qu'on n'a pas par les urnes, on essaie de l'avoir dans les stades ou par les ballons. Et parce que ce qui est assez curieux en Algérie, c'est que le patriotisme, malheureusement, c'est-à-dire l'attachement à la nation, l'attachement à la terre, l'attachement à la patrie, est souvent réduit à un ballon qui... Il y a des coupures, Faisal. J'ai l'impression que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas assez de faisceaux, il n'y a pas assez de champs, comme on dit. Là, c'est mieux ? Oui, là, c'est mieux, oui. Je disais que le patriotisme, il est réduit souvent à un ballon. Il y a de l'exploitation politique. Il y a de l'exploitation politique du football, parce que, en face, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas un grand projet politique. Le président Bouteflika, depuis son réélection 10 ans, le 17 avril, selon les résultats officiels, a présenté un projet appelé révision de la Constitution qui n'intéresse pas grand monde. L'opposition a décidé de le boycotter. Et parfois, par quoi on remplace ce vide sidéral, ce vide politique ? On le remplace par le football et on tire, bien sûr, la couverture vers soi en disant que si l'équipe algérienne réalise de bons résultats, c'est grâce au président Bouteflika. Donc c'est une manière d'exploiter d'une manière assez éhontée, assez inacceptable cela. Mais Faisal, nous pensions que nous ne nous attendions pas à de tels exploits et nous pensions donc qu'une éventuelle défaite allait ouvrir le dossier de toutes les turpitudes qui distingue le monde du football algérien. Vous en savez personnellement quelque chose, c'est une corruption débridée, c'est des dépenses énormissimes. Est-ce que maintenant cette victoire va occulter donc ce qu'on attendait, la réouverture ou l'ouverture de ces dossiers, de ces scandales ? Oui, malheureusement, oui. Je le dis par expérience, on a déjà vu ça par le passé, dans les précédentes participations algériennes à la Coupe du Monde. On n'a même pas retenu la leçon de ce qui s'est passé en 82, déjà, avec le politique qui se met de l'action de l'entraîneur, notamment Sardel à l'époque, et également de la participation algérienne en Coupe d'Afrique des Nations. Lorsqu'il y a des victoires de ce genre, lorsqu'il y a une allégresse partout, parce que l'allégresse et le bonheur, disons, populaire arrange les affaires du pouvoir en place, fait oublier le véritable dossier. Et si l'équipe algérienne fait ou face à un bon résultat face à l'Allemagne, on dit que ce sera la fin du monde. Donc, en Algérie, on oubliera tout. On oubliera la gestion de la Fédération algérienne de football, comme elle est faite, la publicité qui tourne autour, l'argent sale qui tourne autour. On oubliera qu'il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé d'une manière non contrôlée pour envoyer des supporters algériens au Brésil. Je dirais que c'est une bonne chose. Certains diront que c'est une bonne chose. Mais d'autres diront comment ce déplacement s'était financé, parce que c'est l'argent public, après tout. Et donc, tous ces dossiers, notamment sur la gestion du football algérien, et même tous les autres sports, hein, ce qui se passe en football se passe aussi ailleurs, la gestion des clubs, la gestion des stades, et tout ça, il va passer à la trappe et on passera à autre chose. Et ça sera toujours comme ça. Et donc le monde Rawa Rawa est reparti pour un tour. Absolument pour un tour et pour peut-être pour un long tour. Ouais. Parce que maintenant, Rawa Rawa tire vers lui la couverture en disant que c'est tout ce qui a été réalisé, c'est lui. Et la chose la plus bizarre, évidemment, Jamel, c'est comment un entraîneur qui fait passer l'Algérie au deuxième tour, notamment Halilhodžić, malgré toutes les critiques qui ont été faites autour de lui par la presse, il va partir après avoir réalisé une victoire. C'est le seul pays au monde où on sanctionne un entraîneur ou un dirigeant sportif pour avoir réussi. Parce qu'il va partir, Faisal ?
Oui, normalement, il est question qu'il parte après le retour au Brésil pour être remplacé par un autre entraîneur, bien entendu, qu'on va ramener de France, comme d'habitude. Donc, ce sera toujours le même cercle qui va profiter de la rente qui tourne autour de l'équipe algérienne. Alors, donc, on va démentir le fameux adage qui dit « on ne remplace pas une équipe qui gagne, nous, si ». Restez avec algérienne, absolument. Ouais. On a cette attitude incroyable de toujours célébrer l'échec au lieu de la victoire. Et donc, au lieu de tirer des leçons de l'échec, on n'en tire pas les leçons, mais on fait en sorte de détruire tout ce qui est une réussite. Ça, c'est une spécialité algérienne. Nous allons demander à Jamil Dziri, Jamil, cet enthousiasme de l'équipe. Du peuple algérien, même de nos voisins marocains, tunisiens, des palestiniens, et de tous les peuples qui nous aiment, qui nous découvrent, qui s'enthousiasment pour nous, qui découvrent que nous ne sommes pas que du mauvais, quoi, que nous avons aussi des possibilités de pouvoir émerger. Est-ce que vous ne pensez pas que nous devrions mettre en marche cet enthousiasme, cette dynamique qui s'est créée, cette union qui s'est formée entre les Algériens, cette communion, j'allais dire, pour ne pas seulement revendiquer une victoire footballistique, mais pour aller plus avant et pour pouvoir nous former, nous entraîner, aller de l'avant pour revendiquer de façon pacifique, mais de façon forte, aussi forte que l'enthousiasme populaire après la victoire de l'Algérie, pour construire un état de droit, une démocratie, avec un véritable état, de véritables institutions qui nous représentent et qui pourraient nous rendre fiers, encore plus fiers d'être nous-mêmes qu'à la suite d'une simple victoire footballistique. Ben écoutez, moi je dirais que l'équipe nationale algérienne et l'Algérie en tant que pays, elle avait du potentiel énorme qu'elle n'a pas réussi à capitaliser. De la sympathie, de l'amour, des gens qui ont investi des sentiments. Il y a des gens qui sont... Moi, dans mon quartier, il y a des Antilles qui sont français, hein, mais qui étaient de tout cœur avec l'équipe nationale algérienne. Ils sont sortis avec des drapeaux algériens et tout. Malheureusement, comme il a dit votre interlocuteur, il y a le football, il y a les affaires, mais puis aussi il y a la politique. Pour le pouvoir algérien, pour avoir une vitrine extérieure de réussite, le football, le sport en général est un moyen, est un instrument en même temps de propagande, de promotion, de toilettage du régime. Mais malheureusement, le football ne peut pas, dans ce cas-ci, être un outil pour la démocratisation ni pour promouvoir les libertés collectives et individuelles, bien au contraire, parce qu'il ne sert pas la population, il sert d'abord les régimes, le plus que possible. Il sert les régimes en place, et ce qui s'est passé déjà en Tunisie, nos voisins, quand il y avait Ben Ali, la Tunisie s'est qualifiée à la Coupe du Monde, et moi j'ai vu un journaliste, Didier, la qualification... spécialement au président, et voilà. Et donc, malheureusement, et fort malheureusement pour nous, le football est un sport populaire, mais son image, son exploitation et tout, ça sert uniquement les systèmes politiques qui sont en place, qui utilisent le sport au lieu de d'utiliser autre chose pour promouvoir la démocratie, les libertés. Non, il utilise le football, oui. Et on a vu, comme il a dit votre interlocuteur, Zidane, qui n'est pas algérien, il était un joueur français. Mais nous, on le considère quand même comme un compatriote. Oui, on le considère comme un compatriote. De la République. C'est un franco-algérien. Oui. Mais, c'est un franco-algérien, mais en lui donnant une distinction qu'aucun joueur algérien qui s'est sacrifié... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour son pays, oui. Je suis désolé. Moi, quand je vois l'équipe 82-86 avec le scandale qu'on a eu, que tout le monde connaît, je ne sais pas si c'est du tampage ou quoi, mais ils ont eu des enfants
mal leurs enfants, ils ont eu des malformations. Oui. Ces gens-là, oui, ils peuvent être honorés, reconnus, et oui, voilà, et peut-être pourquoi pas indemnisés, et voilà. Parce qu'ils étaient dopés, moi, à leur insu. Qu'à Zidane, bien que oui, je reconnais le talent de Zidane, oui, je oui, reconnais tout pour lui, mais il a joué pour l'équipe de France. Jamil Djiri, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. Faisal Mattaoui, une dernière question, l'émission arrive à sa fin. Est-ce que l'opposition politique ne pourrait pas mettre à profit cet enthousiasme? Est-ce qu'elle ne pourrait pas comprendre qu'il faut enthousiasmer le peuple algérien pour qu'elle puisse le mobiliser? Est-ce que ça ne pourrait pas être un angle de réflexion pour essayer de mobiliser les gens? Absolument, parce que le football, après tout, c'est un sport populaire. Les gens aiment ce sport, aiment voir le spectacle. Le football, c'est également un spectacle. Donc, lorsqu'on est dans l'opposition, lorsqu'on est dans le pouvoir, il faudrait utiliser, j'allais dire exploiter d'une manière intelligente, d'une manière raffinée, d'une manière étudiée, tous les moyens qui peuvent rapprocher de la population et des gens. Il faut être près des gens et essayer de travailler un peu sur cette idée de sport qui rassemble, puisque la victoire de l'équipe algérienne, parce que l'équipe algérienne représente toute l'Algérie, malgré les différences politiques. On a vu que tous les Algériens étaient dans la rue, malgré leur couleur, malgré leurs différences, et cette communion, cette manière de rassembler les Algériens peut être exploitée et analysée pour avancer en avant, avancer des projets politiques, puisque les projets politiques, c'est, il faut les défendre tous les jours, pas uniquement dans des conférences ou dans des débats ou dans des salons fermés. Le travail de l'opposition doit aussi être sur le terrain. Merci Faisal Mattaoui, en espérant vous revoir bientôt. Comme d'habitude, vous nous avez été très éclairant. Merci beaucoup. Je veux finir cette émission en rappelant juste que cette équipe représente les Algériens dans leur dimension amazigh et dans leur dimension arabe. Mais nous n'oublierons pas que nous sommes en Afrique et que cette équipe représente aussi tous nos frères africains. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi avec nous. En espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum. Bonne fin d'après-midi.